Salut tout le monde, bienvenue dans le premier review break du ciné de Bruno. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a déjà eu 3 ou 4 Bruno review break sur la chaîne Bruno Vlog, mais ce n'est plus le cas maintenant, c'est ce format qui est dans cette chaîne-là. Donc je me suis permis d'attendre un petit peu et de regarder avec vous mais la bande-annonce du Roi Lion. Je parle du film Le Roi Lion qui va sortir en 2019, qui est un film live. Je pensais que c'était avec des vrais acteurs, mais en fait, je pense que quand ils ont dit vrais acteurs, je pense que c'était du stop motion. J'en sais rien du tout, parce que j'ai vu juste quelques images. Attention, je parle pas de vidéos, mais d'images que Disney, ils ont un peu fait fuiter un peu partout. Et ça a l'air vraiment joli, donc résultat, on va voir la bande-annonce ensemble tout de suite. Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. C'est ce qu'il dit dans le dessin animé aussi. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil n'éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. Trop beau! Je dis oui! Je dis oui! Wouh! Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Cette bonne annonce, ça arrache! Les effets spéciaux, vraiment, l'image de synthèse est au sommet de l'art! C'est magnifique! Vraiment, l'image de synthèse n'a jamais été aussi belle dans un film. Ça devait être un film live avec des vrais acteurs. Mais quand ils ont dit vrais acteurs, c'est peut-être de la stop motion. C'est peut-être de la stop motion. Moi, je pense que oui. Vraiment c'est magnifique, vraiment c'est d'une beauté époustouflante. Les animaux ont l'air réels, je parle des zèbres, tout ça, et des girafes. Ça a l'air vraiment réel, même donc Simba à la fin du film, quand on le voit grogner à la fin du film, il a l'air vraiment un vrai lion, un vrai. Mais leur mettre une voix dessus, je crois que ça a l'air un peu bizarre, vraiment leur mettre une voix dessus. Tellement que les lions ont l'air vraiment ils ont l'air vraiment réels. Je sais pas s'il y aura les mêmes chansons, mais en tout cas, vraiment, la balance est identique à celle du dessin animé. Normal. Le scénario, en fait, je pensais que ça allait être un reboot, genre qu'ils allaient changer quelques trucs. En fait, non. Là, c'est vrai que là, je suis un peu déçu. Rapport au fait qu'en fait, ça va être une pâle copie du Roi Lion. En fait, c'est le Roi Lion, mais en live. Ils se sont pas fait chier. Comme avec La Belle et la Bête. Donc, je trouve ça un peu assez malheureux, assez chiant. Bon, après, bon, c'est pas très grave, vraiment, mais à part ça, ça promet vraiment de magnifiques effets spéciaux, ça promet la même histoire que le Roi Lion, mais au moins, c'est joli, voilà, l'image de synthèse est vraiment magnifique, les effets spéciaux sont vraiment au sommet, vraiment, voilà, ce film promet d'être plutôt bien, très joli, vraiment, par rapport à l'image, ça a l'air vraiment très joli, mais le scénario qui est exactement le même que le Roi Lion d'origine, bon, un peu décevant, mais... Voilà, vraiment, ça a l'air vraiment très joli. Il faut vraiment aller voir ce film. Moi, vraiment, je vais aller le voir pour vraiment voir. Vraiment, je m'attends pas à un gros film blockbuster. Non, je m'attends vraiment à un film basique avec des effets spéciaux vraiment très jolis. Voilà, je m'attends pas non plus à un gros machin. Donc voilà. Bon, en tout cas, je pense que ce film va être plutôt bien. À vous de me dire donc vos avis dans les commentaires. On n'osa pas montrer grand chose, hein. En même temps, on connaît l'histoire du Roi Lion, donc on n'a pas besoin de grand chose. Donc voilà, en tout cas, bref, voilà. Donc, si jamais vous voulez donner votre avis, ça se passe dans les commentaires. Je porte la veste de Doctor Who pendant une critique du Roi Lion, donc là, c'est bizarre. Donc, bref, voilà. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui apparaissent autour de moi en ce moment. Je crois que je vais mettre un Snap ici, mon Snapchat, mon Instagram, mon Twitter juste ici. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, de mettre un petit like et activer la cloche. N'hésitez pas surtout. Et voilà, c'est tout pour moi, j'ai rien à vous dire de plus, à part que, allez voir ce film, parce qu'il a l'air vraiment pas mal, il a l'air assez joli à voir. Voilà, moi je vous souhaite à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao !